Eh bien, bonjour. Donc voilà, on continue dans le système des colis, hein. J'ai une surprise aujourd'hui. Je m'y attendais pas. Pixic, décidément, me fait des cadeaux. Donc là, c'est un colis, hein, de lui d'ailleurs. Donc encore Pixic, hein, merci beaucoup. Donc on est le 24 mars 2018, hein, et je reçois donc un colis de lui. Donc je vais l'ouvrir en même temps que vous. Vous voyez, il est encore bien, bien fermé, hein. Bon, je mets la main devant parce qu'il y a nos adresses à nous. Donc je vais l'ouvrir devant vous pour savoir ce que c'est, car je ne sais vraiment pas ce qui m'attend dans ce colis. Alors, je l'ouvre, hein, vous voyez, hop là, voilà, je suis en train de l'ouvrir. Comme d'habitude, j'ouvre ça comme un branque. On va pas se faire chier, on va prendre le couteau. Hein. Voilà, parce que, il y a une ouverture facile. Mais l'ouverture facile, c'est toujours pareil. Vive les boîtes. Vive le. Hein. Bon, allez, on va pas se faire chier, je vous dis, on va s'amuser à prendre le couteau. Donc, je vais faire comme ça. Ah, je suis doué, hein. Voilà. Ah, oh, bah, vous voyez, bah, il fallait juste retirer ça. Alors, je vous montre ce que c'est. Alors, voilà, on va vous montrer bien comme ça. Alors, la première chose, avant le colis, et bien sûr, monsieur n'a pas retiré les prix. Donc, je le cache. Donc, voilà. Et c'est le Dragon Ball Goku Densu, Densu, un truc comme ça. Donc voilà, je vous le montre. Hein, voilà. Et hop, donc il est complet. D'ailleurs, la note, il se casse la gueule. Donc ça me fait super plaisir, encore une fois. Alors, je vais juste remettre la jaquette comme ça. Donc, ben, hop là, je ne veux plus qu'on voit les prix. Donc je remercie encore une fois Pixic. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ok, d'accord. Nous avons le Dragon Ball Takeshi Tag Team. Donc je ne savais pas. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez, il est encore scellé d'où il l'a acheté. Donc ben, je vais décacheter pour voir s'il est complet, il y a la notice dedans. Et je vous montre, d'accord, comme moi, il a la notice et le jeu bien présent. Je continue, hein, comme vous, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, ah bah, génial. Il y a le film ben, Dragon Ball Z en version japonaise, mais bien sûr sous-titré, enfin français, je pense, hein, c'est vrai qu'il soit sous-titré. Comme ça, peut-être. Comme ça, voilà. Ah, donc en UMD, hein, toujours pour aller avec la PSP. Donc le titre il est comme ça. Voilà, si on voit bien, je sais pas, voilà comme ça. Donc ben, très très content donc, de l'avoir. Et il y a des surprises dedans. Et c'est un malade, comme d'habitude. C'est un malade, ce gars. Bon, il n'y a plus rien. Hein. D'accord, c'est un grand fou celui-là, c'est un grand malade. Alors, il a l'intention qu'on fasse des. Il aimerait que je fasse la collection des cartes qui viennent de sortir, donc de Dragon Ball. Et il m'en a envoyé les deux mêmes, apparemment c'est des doubles qu'il avait. Donc je vous montre. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est les deux mêmes. Hein. Voilà. Alors ensuite, il y a le Vegeta. Voilà. Derrière, c'est tout le canard. Hein. Et encore une fois, le vice assistant en repos. Donc ça fait 4. Et ouais, je suis un fan des Gardiens de la Galaxie. Hein. J'ai des figurines. Et encore une fois, il m'a offert un petit porte-clés. Donc c'est super sympa. Donc alors, on va montrer. Hein. Les 4 cartes, ça c'est du cadeau. Hein. Ça c'est un cadeau dedans. Donc voilà.
Ben, faut que je trouve maintenant pour toi, Fifix, mais c'est pas évident vu ta recherche. Parce que de mon côté à moi, c'est rare. Donc alors, les deux jeux. Enfin, les deux jeux. Le jeu, donc Dragon Ball Tag Team, Takahashi Tag Team. D'ailleurs, je vais m'amuser, je vais aller chercher ma PSP. Et le film. Très classe. Sinon, chaque fois, je le mets en vert. Comme ça. Et un jeu de 3, 2DS, pas DS. Voilà. Ce sera mon premier. C'est mon premier jeu DS de la... Parce que moi, j'avais acheté ma DS, mais j'avais acheté, vous savez, la micro SD, machin, pour justement copier les jeux. Et la dernière fois aussi, j'ai eu un cadeau d'un ami à moi. Il va dans les magasins, des fois, puis il trouve des trucs. Et puis je lui dis, ben, j'ai un cadeau pour toi. Bon, bien sûr, j'ai mangé ce qui était dedans, hein, vous la connaissez. Et regardez, vous voyez, vous avez Batman, et c'était ni plus ni moins des bonbons citronnés, il y avait deux couleurs, des noirs et des... Vous voyez la boîte est vide, hein. Des noirs et des jaunes. Donc franchement, vous voyez, c'est marqué bonbons candy. Ah, je ne raconte pas de conneries. Mais la boîte, elle en jette, hein. Donc franchement, très content d'avoir ça. Donc ça va dans ma collection. Donc je vous dis, ben voilà, c'était le deuxième colis de la même personne. Donc voilà, je voulais vous remercier encore une fois de votre confiance, de votre gentillesse, de me connaître parfaitement. Je ne vous trahirai jamais, je suis assez franc et direct, ça tout le monde le sait. Et quoi qu'il se passe, je vous serai fidèle. Donc voilà. Et si une nouvelle personne vous intéresse de vous abonner à ma chaîne, alors bien sûr en regardant les contenus, si elle vous intéresse, bien sûr, de vous abonner. Donc abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et vous serez averti comme maintenant quand je fais une vidéo. Voilà. Bah, je vous remercie beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore à Pipsic pour ce colis. Ça m'a fait super plaisir. Merci, tu es encore un mec comme ça, un mec super. Tes conseils sont des bons conseils pour ma chaîne. Et voilà, je voulais te le dire. Je voulais terminer aussi pour terminer en faisant également trois autres dédicaces à trois autres personnes à Cat Electra, à Gamer88 et à Koyu Geek. Donc si vous ne connaissez pas leur chaîne, allez-y pareil, hein, allez voir ce qu'ils font, allez vous abonner, cliquez sur la cloche. Voilà, je voulais vous remercier en vous disant comme quoi j'ai de la chance de vous connaître. Vous avez été les premiers que je connaisse. Que je connais plutôt, et ça me touche de la gentillesse que vous avez en ce moment pour moi, comme Pipsic. Donc ça me touche beaucoup. Vous savez très bien que quand je pense un truc, je réfléchis, je vous le dis. Je suis direct, peut-être des fois, dans un temps, on va dire ouais, t'es trop franc, mais je préfère être franc qu'être faux cul, comme certains sur YouTube. Non, moi je suis comme ça, quand il y a un truc qui me plaît pas ou quoi que ce soit, je vais dire de la façon. Calme, mais au moins direct, quoi. Vous voyez, je vais pas y aller en critiquant, en étant méchant, parce que voilà. Et quand je pense une chose et qu'on me croit pas, quand ça arrive, on me dit bah, Matt, t'avais raison. Donc voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais faire. Donc voilà, j'ai donc pour vous, toutes les quatre, hein, Pipsic, Cat Electra, Gamer88, Koyu Geek, merci de votre gentillesse, merci de me soutenir et d'être là depuis très longtemps. Voilà, ben je vous remercie, je vous dis à la prochaine vidéo les amis. Et bientôt, n'oubliez pas, bientôt, il y aura un live de 24 heures avec Pipsic. On va essayer de se trouver un temps donc entre mai et août. Entre mai et août, j'ai bien dit, donc c'est pas maintenant, parce qu'en même temps, il faut que je trouve le jeu avec lequel il veut qu'on joue, pour faire les 24 heures. Et après, il faut que je me renseigne vraiment si on peut faire les 24 heures ou c'est 12 heures, 12 heures. Enfin bref, je ne sais pas. Mais moi je suis chaud, je suis partant. Quand on me lance un défi, je suis prêt à les faire. Donc c'est un petit défi qui m'a lancé, alors qu'en ce moment, vous voyez, je suis entre 4 et 8 heures de live. Donc les 12, les 24 heures ne me font pas peur. Vu déjà que quand je travaille, je fais 12 heures, donc de nuit ou de journée, donc en faire 12 de plus, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je suis prêt à relever le défi. Donc voilà. Ben, je vous dis encore une fois, merci d'être là, merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine. Salut les amis.